Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme prévu, me revoilà. Donc, pour les personnes qui n'étaient pas au courant et qui s'en sont rendues compte ou qui ne se sont pas rendues compte que j'étais absente depuis un petit moment, donc j'ai fait une vidéo il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, où j'expliquais que donc j'ai perdu ma maman d'une façon très violente puisqu'elle est décédée après une crise cardiaque. Donc, c'est pour ça que je pensais refaire les vidéos et. Bien sûr, on se croit forte et puis en fait, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a des moments avec et des moments sans. Donc, je pense que je vais vivre avec ce sentiment, cette absence pendant un bon moment. Donc, j'ai décidé de reprendre ces vidéos puisque, comme je vous avais dit, j'ai vraiment besoin de refaire, de m'occuper l'esprit. Et puis merci aussi tous les gens qui m'ont mis des messages d'affection, des messages de condoléances. Et oui, c'est malheureusement, c'est ce qu'on reçoit dans ces moments-là. Mais vraiment, vous avez été nombreux à me faire part de votre présence et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, je vais repartir dans ma routine. Hein. Malgré des fois les moments qui ne vont pas, c'est reparti. Donc, j'ai eu aussi. Je remercie aussi la plateforme Octoly puisque j'avais reçu un produit donc avant le drame. Donc, ils m'ont remis, qui m'ont laissé du temps donc pour vous présenter ce produit. Alors, je remercie la marque Masada de m'avoir offert ce petit coffret qui contient une crème pour le visage. Donc, cette crème, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est une crème avec un complexe hyaluronique lift avec des actifs d'origine naturelle pour hydrater en profondeur, combler les rides installées. Cette formule repulpe la peau, apaise et aide la formation de nouvelles fibres de collagène pour un effet fermeté visible. Elle a une capacité aussi de réduire les rougeurs et capillaires inesthétiques liées à la sécheresse et à la coupe rose. Alors, elle a une odeur de violette, donc j'ai eu le temps de la tester. Donc, elle se présente comme ça. Et elle est vraiment très agréable, une texture qui pénètre bien, mais vraiment c'est un petit bijou. J'ai beaucoup aimé cette crème. Et puis avec, il y avait différents sérums pour le corps, le contour des yeux et le visage dans cette petite pochette, ainsi qu'une dans cette petite boîte, comme ça, dans un petit flacon, comme ça. C'est un gel exfoliant qui démaquille et nettoie en un seul geste, laissant la peau douce et lumineuse. Donc, très belle découverte. Donc, je remercie encore Masada ainsi que la plateforme Octoly de m'avoir permis de prendre un peu plus de temps donc, pour faire cette vidéo. Alors, c'est parti pour le monde de Action. Alors, oui, bien sûr, hein, je suis retournée chez Action. Hein, je n'ai pas pris, comme j'avais dit, que j'avais fait des courses. Enfin, bon, bref, je suis retournée quand même chez Action. J'ai pas trouvé énormément. Ça faisait un bon moment que je n'étais pas allée dans ce magasin et j'ai pas vu énormément de nouveautés. Mais bon, il y a toujours 2, 3 petits trucs. Mais bon, je trouvais quand même que des articles récurrents reviennent régulièrement. Mais bon, comme c'est de bons produits, de toute façon, comme je dis, on trouve toujours quelque chose chez Action. Alors, c'est parti. Donc, au niveau des nouveautés, il y avait cette petite pochette comme ça, spa. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc, c'est une petite pochette de voyage. Alors, dedans, vous pouvez voir qu'il y a plein de petits produits. Alors, on va faire un petit tour rapide de cette pochette. Alors, vous avez une petite brosse à dents. Je ne sais pas si elle est de bonne qualité, mais bon, donc c'est la marque Spa. Alors, il y a quand même pas mal de choses. Par contre, c'est super bien fixé. Hein. Après, il y a un petit shampoing, comme ça. C'est vraiment un petit modèle. Hein. Il ne faut pas partir longtemps. Hein. Donc, ça, c'est une crème pour les mains. Et c'est tout accroché comme ça au fond.
coton, du coton. Alors, je ne sais pas comment. Oui, bah, alors, vous avez des cotons-tiges. Alors, qu'est-ce que c'est bien, hein, ça fait vraiment un petit truc quand on part. Et des petits rondelles de coton. Donc, en tout, il y a 10 cotons ouates et 7 cotons à démaquiller. Là, on a quoi? C'est un petit tube de dentifrice. Bien sûr, avec la brosse à dents. Alors, après, c'est un gel relaxant avec du citron. Donc, oui, vous avez plein d'agrumes dedans. Par contre, donc, moi, j'ai fait un petit trou puisque j'arrivais pas. Donc, oui, ça sent les agrumes. C'est très, très agréable. Donc, voilà. Une lotion corporelle. Le tube, quand même, celui-là, il fait 50 ml. Alors que ceux-là font... Non, celui-là, il fait 50. Et celui-là, il fait 30. C'est Body Mist. Alors, qu'est-ce que c'est, une brume corporelle. Ouais, c'est sympa. Je sais pas ce que ça sent. Ouais, bon, c'est très, tout est citronné en fait. Donc, c'est relativement agréable, c'est frais. Et pour finir, alors c'est face wash, donc ça doit être pour un nettoyant pour le visage. Voilà, donc super agréable parce qu'elles sont citronnées. Enfin, il y a du citron, il y a de l'orange, donc c'est super agréable. Donc, je trouve que c'était sympa de faire cette petite pochette. Bon, il ne faut pas partir longtemps. Après, je continue. Bon, bah, j'ai repris hein, ce système que j'aime bien pour les toilettes. Hein, parce que quand vous tirez la chasse d'eau, ça tourne. Donc, de la marque Domestos. Après, bon, bah, elles n'ont pas attendu, hein, les filles. Des Mickey Way. Donc, je ne sais pas, il y en a 5. C'est par petit sachet de 2. Donc, voilà. J'ai repris un cendrier pour mettre sur ma terrasse parce que j'en avais un, j'étais déçue. Enfin, je l'avais ramené du Maroc et je l'aimais bien avec bien sûr des chameaux. Enfin, mon rêve qui faisait très marocain en terre cuite. Et puis bon bah, on l'a laissé dehors chaud froid, il n'a pas aimé. Donc j'ai trouvé tout en noir comme ça. Donc pour aller dehors, ça ira très bien. Alors, j'étais surprise de découvrir la marque aussi. Donc, c'est un shampoing volume, comme ça. Alors ça, bon ben, je dois avoir un train de retard. Donc, les filles étaient super contentes qu'on puisse trouver. Donc, il y en a encore ces petits bracelets. Donc, là, vous en avez avec un nœud. Ben, je pense que vous les avez une vague. Là, ça fait un petit triangle. Et puis là, vous avez des strass. J'en ai pris un deuxième paquet. Ils sont un peu plus classiques. Hein. Donc là, c'est avec des petits cœurs. Là, c'est des boules. Celui-là, un peu plus gros. Mais bon, moi, je trouve qu'ils sont sympas. Donc... j'étais contente parce que je voyais les vidéos quand même. Malgré tout, je regardais les vidéos. Donc là, vous voyez peut-être un petit peu mieux. Mais je pense que vous les avez déjà vues. Donc nous, on était quand même super contente de pouvoir en trouver. Bon, il n'y avait pas un choix énorme. Mais bon, ça largement suffit pour qu'on trouve notre bonheur. Voilà. Après, donc c'est Maïlis qui a voulu un petit miroir. Alors je sais pas ce qu'il a. J'aime beaucoup la matière qui est pas, c'est pas un plastique. Il est doux, il est un peu, on dirait comme du caoutchouc. Donc qu'est-ce qu'il a grandi? Oui. Donc, il a un côté qui grandit et puis l'autre classique. Mais il est tout chou et franchement, j'aime bien. Il fait plus plastique, mais le contour est relativement doux. Donc, avec une couleur tendre comme ça. On a trouvé, puisqu'on s'est remis un petit peu à la cuisine avec Maïlis. Donc, on veut faire des... Mais on n'a pas trouvé des plus bas. Pour faire des mini quiches, donc on a pris des petits, donc il y en a 3 en silicone comme ça.
J'en ai pris un autre paquet, mais il doit être au fond. Après, j'ai trouvé de la marque Dove, donc à l'orange. Donc, j'ai trouvé, je ne connaissais pas du tout ce parfum. Et c'est vrai qu'on a besoin de sentir des odeurs fraîches. Et c'est vrai que ça rebooste un peu. Donc, j'ai beaucoup aimé ce parfum donc, de la marque Dove. En plus, c'est avec du lait. Donc, moi, j'adore cette marque. Bon, bah ça, j'arrête d'en parler. Donc, c'est ces petits hamburgers comme ça. En plus, Maëlys, maintenant, elle a une machine pour attraper les bonbons que j'ai lui offert pour son anniversaire que j'ai eu sur Amazon. Donc, ça fait un bruit pas possible, mais bon, ça va bien attraper avec cette machine. C'est comme dans les foires où vous devez déplacer la grue et attraper les bonbons. Donc, voilà, c'est pour mettre dedans. J'ai repris des ciseaux parce que bah, c'est comme les comment dire c'est comme les stylos ou les pinces, c'est des choses ici qui disparaissent relativement rapidement. Donc là il y a trois tailles différentes, donc je sais pas ce que ça vaut, mais bon de toute façon vu qu'à l'allure où ça disparaît, c'est pas grave. Ah, alors ça c'est Maëlys. Alors je vais devoir le défaire. Bah, à chaque fois il y a toujours des petits colliers. Donc maman fait des colliers, mais c'est pas grave. Fait des bijoux, mais on en achète toujours. Hein. Alors voilà, j'ai mis le temps. Donc vous avez un, je sais pas ce que c'est, une hirondelle, des petites perles, et puis ce petit rond là. Donc c'est frais pour l'été, ça ira très bien. Bon, ben, j'ai enfin trouvé ce que je préfère avec 70% de cacao. Donc, c'est mes barres quand j'ai un petit coup de que j'ai faim. Donc, c'est sans huile de palme, sans gluten. Donc, moi, j'adore. Hein. C'est du riz soufflé enrobé de chocolat noir. Donc, à 70%. Donc, pour mon mari, j'ai trouvé Adidas Pure Game Relaxing. D'habitude, je prends toujours le même, je ne sais plus ce que c'est. Puis là, ça a changé un peu. Donc là, pareil, je pense qu'on est dans des odeurs un peu plus citronnées. Voilà. Bon. Mais bon, quand même, je dirais toujours la même chose. Je trouve que pour les hommes, ça sent à peu près toujours la même chose. Hein. On a beau changer de marque, on a l'impression que le packaging change. Mais je trouve que ça ne change pas grand-chose. Voilà. Ça, c'est les filles. Donc, c'est une petite fiche qui permet d'installer, enfin c'est comme une rallonge quoi, vous en mettez une et vous pouvez mettre deux appareils différents. Donc vous pouvez mettre par exemple deux casques, puis à la fin mettre une tablette, enfin bon bref, voilà. Une éponge Pongeac, vraiment ça on ne s'en lasse pas, donc j'ai donné la manie à la grande, donc du coup elle m'en réclame régulièrement, donc vraiment, elles sont superbes. Donc 100% naturel, et puis franchement, ça nettoie bien le visage. J'ai trouvé ces jolies petites tasses pour le café, c'est pour mettre en bas. Donc celle-ci, c'est besoin d'un petit café, donc j'aime bien, elles sont toutes cabossées. Là, je suis un petit peu moins fan, super costaud, ça fait un peu Superman, enfin bon. Voilà. Et puis pour finir, j'ai repris le Colgate Plaques Peppermint Menthe Poivrée. Voilà. Donc pour ce haul action, donc j'essaye de revenir petit à petit. Donc je pense quand même, enfin j'ose plus rien dire parce que ça sert à rien. Donc on verra. Donc j'espère quand même pouvoir revenir rapidement. Un like, un abonnement si ma chaîne vous plaît, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous remercie encore beaucoup pour ce que vous avez pu m'apporter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.